Bien, nous sommes le dimanche 15 novembre 2020, en plein confinement. J'effectue ma quatrième sortie d'une heure, donc dans un rayon d'un kilomètre de ma maison. Je vais donc, comme à l'habitude, effectuer donc environ 3 tours. J'en profite pour dédicacer cette vidéo à mon père qui fête aujourd'hui ses 83 ans. Le ciel est nuageux, il y a beaucoup de vent, bien que là je le ressens pas trop, étant donné que je suis dans un sentier protégé par les arbres. Mais le ciel est quand même bien chargé de nuages. Et j'espère qu'il ne pleuvra pas, tout au moins pendant cette heure qui nous est imposée. Toujours à la marche ? Voilà, je viens donc de sortir du sentier balisé, l'ancienne ligne de chemin de fer Hénin-Carvin, et je me retrouve donc sur une portion de bitume. Voilà, je vais entrer dans le parc du Dahomey. Bon, heureusement qu'il y a ce parc près de chez moi. Sinon, ça aurait été très monotone de faire du VTT. Bon ben voilà, je suis dans le parc du Dahomey. Le vent souffle bien, mais il ne pleut pas, c'est le principal. Bon, comme vous avez pu remarquer, je roule avec le masque. Certains me diront que ça ne sert à rien et qu'avec l'humidité, le masque perd de son efficacité, mais bon, je maintiens le fait de rouler avec un masque. On me fera pas changer d'avis. Bonjour.
Voilà, je suis sorti du parc du Zaoué. Pour rattraper le sentier piétonnier, l'ancienne ligne de chemin de fer. Bien. Ben voilà. Je suis donc sur la fin de ma troisième boucle. Il est 9h50, 51. Bon, j'ai encore un petit peu de marge, mais moins qu'hier. Hier, j'avais fini à 40. Là, je m'étais complètement planté dans l'heure du démarrage. Thank you.